Mes yeux sont aussi petits que mon avenir. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, ma voix va faire un peu crescendo dans la vidéo parce que je viens de m'enlever il y a 20 minutes. J'ai mis mes éclairages, j'ai été faire pipi, le petit pipi du matin. Et bim, je me suis assise, j'ai filmé. Donc je suis en pyjama, on va déjeuner, petit déjeuner ensemble. Et donc comme je viens de me lever, je vais pas forcément parler super fort, c'est un peu logique, surtout qu'il y a encore des gens qui dorment. Mais c'est génial, la meuf sauf qu'on reprend, hein, il est au travail déjà. J'ai chaud aussi éventuellement, comme par hasard quand je décide de revenir, il fait 40 degrés dehors. Sachant que c'est une chambre où il y a des combles, voilà, je vous fais pas de dessin. Mon absence a duré très longtemps, elle devait durer moins longtemps que ça, mais il s'est passé plein de péripéties. Ça fait la troisième fois que je filme cette vidéo, j'en ai plus que marre, donc je vais faire un condensé de tout ce que je dois vous dire, comme ça, c'est bon, on n'en parle plus et je peux revenir officiellement. Parce que le problème c'est que je peux pas revenir avec une vidéo genre comme ça, et que du coup vous vous dites, bah frérot, on veut des explications de pourquoi tu es parti, ce qui est logique. J'ai oublié ma fameuse phrase, désolée, comme je viens de me lever, forcément. Et puis ça fait longtemps que je pétais en tournée, du coup je me souviens plus trop, mais ça va revenir. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, on va commencer maintenant, c'est parti. Je vais commencer dans le vif du sujet comme ça, la raison de pourquoi j'ai été absente autant de temps, comme ça c'est fait et on passera sur des notes un peu plus positives puisque mon absence n'a pas été de plus positive dans ma vie. Comment je vais dire ça? C'est très délicat hein, parce que... comment? J'ai l'habitude de toujours amener du positif et tout, même si des fois il se passe des trucs un peu catastrophiques dans ma vie. Bon, je compte toujours ça avec humour, parce que bon, il y a plus grave dans la vie. Ce plus grave, c'est ça genre. En fait, il y a eu un décès dans ma famille, voilà, parce que sinon je vais jamais pouvoir le dire. Du coup, fin avril, début mai. Voilà, donc forcément je me suis absentée, je me sentais pas le cœur à faire des vidéos, à être souriante, à être positive et tout, sachant la situation qui venait de m'arriver. Donc le jour où j'ai mis ma story comme quoi que je m'absentais pendant un petit temps, beaucoup ont fait le lien avec les révisions du BTS, ça m'a arrangé perso, comme ça j'avais pas trop d'explications parce que bon, j'allais pas vous dire un par un, oui bah il y a quelqu'un de ma famille qui est décédé, voilà hein. Donc moi ça m'a nickel, j'ai dit bon bah tout le monde pense que je révise le BTS, c'est super. Du coup je disais oui mais c'était non bien évidemment. Effectivement c'est arrivé à une semaine et demie du BTS. C'est absolument pas génial. Franchement ça a été dur. Je devais revenir plus tôt sur YouTube. En fait je voulais juste prendre le temps de faire mon deuil, etc. Puis revenir. Sauf il s'est passé plus de trucs qu'il y a dû avoir dans ma vie. Donc je me suis laissée emporter toutes ces choses. Et puis me voilà aujourd'hui. Théoriquement je devais revenir fin juin. Parce qu'en fait maintenant que j'ai été en pause mois de mai, j'ai dit bah Célia, autant que tu finisses toutes tes épreuves du BTS, tu reviendras après. Bah oui, bah oui. Donc fin juin, je devais revenir, j'avais filmé la vidéo, elle ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai laissé tomber. Je devais revenir, je l'ai refilmé quelques semaines après. Pareil, ça ne me plaisait pas du tout, surtout que la vidéo était très longue. Du coup là j'essaye d'être un peu plus courte, mais là ça fonctionne toujours pas. Et donc aujourd'hui je me suis mis un coup de pied, surtout que j'ai envie de revenir sur YouTube. Là ça y est, on va dire genre j'ai fait mon deuil, tout ça, mais au moins je peux revenir à être trop posée et en faisant des blagues et en étant positive. Voilà. Voilà. Donc voici la raison principale. Je pense que c'est une bonne raison. À moins que vous pouvez me taper sur les doigts si vous voulez, mais je ne pense pas. Bref, voilà. Maintenant on va passer aux côtés des nouvelles, etc. Même si on a des mauvaises. Mais ça c'est ma vie. Oh, sinon c'est pas rigolo. On m'a posé énormément la question aussi en MP Instagram parce que du coup j'étais très vague sur ce que je faisais l'année prochaine, parce qu'en fait entre temps là je devais vous refaire un chit-chat make-up
Bon, là aujourd'hui c'est chit-chat petit déjeuner, mais je devais refaire un chit-chat make-up normalement entre avril et juin, parce qu'il s'était quand même passé des choses et tout, et comme ça, genre, vous êtes à jour régulièrement. Donc là, le dernier chit-chat make-up date de février, donc forcément, j'étais très vague sur le reste. Donc, j'ai eu un entretien pour une école, un seul et unique, c'était mon seul et unique vœu. J'ai dit, Célia, t'es prise, t'es prise, t'es pas prise, on avise. On verra bien. Donc déjà ça. J'ai eu mon entretien, j'ai été prise du coup dans mon école. C'est génial. Je reste dans la même structure, donc le même nom d'école. Sauf c'est pas dans la même ville. Ensuite, suite à ça, je continue en alternance. Donc il me fallait un patron. Parce que je continue pas dans une filière management. Et je continue en fait en licence communication. Donc en gros, vous voyez ce que je fais là au quotidien avec YouTube, c'est-à-dire créer du contenu. Bah en gros, je vais faire la même chose, mais à l'école et dans une entreprise. J'ai trouvé un patron, j'ai fait deux entretiens différents qui se trouvent dans le 95 et dans le 93. Le 93 c'est mort, parce que bon, de toute façon, j'ai pas de réponse à l'entreprise, mais dans tous les cas, c'était mort pour ma part, parce que je suis vite angoissée quand il y a beaucoup de circulation à un même endroit. Je ne fais pas de dessin comme quoi que le 93 c'est beaucoup de circulation à un même endroit. Donc j'ai dit non. Enfin dans ma tête c'était non, mais j'avais été quand même à l'entretien. Parce que c'était la dernière chance, vous voyez, le au cas où j'ai pas d'entreprise. Bon, bah je vais là-bas. Mais sinon j'ai trouvé dans le 95. Donc ça va, vous voyez, aéroport Charles de Gaulle. Voilà. On est un peu dans cette zone-là. J'habite pas du tout là. Voilà, c'est super. Donc j'ai trouvé une petite boîte très sympathique, des bonbons, des sucres, ils ont été super gentils avec moi et tout. Donc du coup je vais là à partir du mois de septembre et je commence le 8 septembre. Pour ceux qui veulent regarder, c'est un mercredi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Au début, il y a eu un petit couac avec mon salaire. Chose à savoir, vous pouvez négocier votre salaire. Hein. Au cas où ça ne vous convienne pas, vous pouvez négocier. Du coup j'ai négocié puisque ça ne me convenait pas. Donc maintenant ça me convient mieux. Du coup c'est ok, surtout le directeur il a dit ok. Bon bah écoute frérot, tu dis ok, c'est ok. Donc oui, effectivement ça veut dire que je continue en licence communication, je change de boîte comme vous avez pu comprendre parce que je ne peux pas rester en bijouterie, enfin je ne peux pas rester dans la vente en général pour faire de la communication parce que déjà la communication bijouterie c'est pas les gens qui travaillent dans la bijouterie qui gèrent la communication de cette bijouterie, c'est le siège, voilà, donc c'est compliqué. Donc j'ai dû partir et je dois partir et dans tous les cas je veux quitter la vente. Voilà, je vais faire une vidéo où je voulais faire, où je vais faire sur la vente en général, c'est quoi de travailler en vente, à quoi il faut s'attendre et qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. La vente en bijouterie je parle. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur tout sur la bijouterie il me semble. Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. Mais du coup là, je referai une petite update avec vraiment combien de temps on travaille par jour, comment ça fonctionne. La plupart du temps, voilà, je prends que mon cas à moi, mais la plupart du temps ça fonctionne comme ça. Et je suis très contente de quitter la vente. Saturation, overdose, je peux plus. Je vais vous faire une vidéo sur ma deuxième année de BTS MCO qui sera très longue, je vous préviens du coup, parce qu'il s'est passé énormément de choses pendant ces épreuves. Il faut en discuter quand même. Mais je vais pas en discuter aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être vraiment trop trop longue. Donc effectivement dans sa globalité mes épreuves se sont bien passées. Bien, le mot est relativement correct on va dire. Se sont correctement bien passées, c'est mieux. Mais j'ai eu mon BTS. Voilà. Alors avec 10,42. Mais je l'ai eu quand même. Donc j'étais très stressée parce que pour moi j'avais pas mon BTS et tout. Ça a été vraiment une angoisse particulière. Donc je n'allais pas très bien parce que pour moi j'avais pas mon BTS et du coup mon avenir s'écroulait. Non mais c'était un peu vrai parce que du coup si j'ai pas mon BTS je pouvais pas aller en licence et du coup j'avais plus de patron et du coup je pouvais pas continuer en bijouterie. Donc je me retrouvais au chômage comme la plupart des Français du coup à cause du Covid. Mais je me suis dit Célia tu peux pas, genre voilà. Donc je l'ai eu quand même, très contente de l'avoir eu. J'ai loupé plus d'épreuves que je le pensais. Mais j'ai réussi d'autres épreuves que je ne pensais pas avoir autant réussi. Mais c'est cool. J'ai oublié. Wesh, il faut qu'on parle d'un truc là.
je ne sais pas, mais vraiment, la justice en France, c'est quelque chose. C'est un level 11 sur 10, quoi. J'ai enfin reçu la décision de justice par rapport à ma plainte pour ma voiture. Alors, ceux qui comprennent rien, je vous le mets dans le petit i là. Je vous ai fait une vidéo sur mon escroquerie de ma voiture. Donc, suite à ça, j'avais dit que j'allais envoyer une lettre au tribunal. Il fallait que j'envoie une lettre au tribunal puisque je ne pouvais pas aller porter plainte à la gendarmerie. Puisque ça se passait entre un professionnel et un particulier. J'ai fait ma petite lettre, tatatitata. Alors, il faut savoir qu'à l'écrit, je suis une brêle. Enfin, genre, j'ai du mal à m'exprimer. Bon, à l'oral aussi, comme ça aussi, mais un peu mieux. Du coup, déposer une plainte à l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'oral. Parce qu'à l'écrit, du coup, tu peux oublier des trucs et tout. Et après, t'en souvenir une fois que t'as déjà posté la lettre, vous voyez. Donc, bref. J'ai essayé, je crois que j'ai rédigé sur 2 semaines. Parce que du coup, je l'avais commencé à écrire. Et puis après, genre, j'essayais de me rappeler en boucle de tout ce qui s'était passé et tout. Pour ma voiture. Pour pouvoir donner le maximum de détails. J'ai appelé fin juin, bah, le jour en fait où j'ai tourné la première vidéo de mon chit-chat petit déjeuner. En fait, juste après, parce que j'avais dit que j'avais toujours pas de nouvelles du tribunal, ça faisait déjà 2 mois que j'essayais de les joindre, juste de les appeler, personne ne décrochait. Et comme par magie, le jour où je vous en parle, il y a quelqu'un qui décroche au téléphone. Du coup, j'explique à la meuf, elle me dit oui, vous avez porté plainte contre telle entreprise. Puis moi, dans ma tête, je suis là. Et après je fais ah oui, parce que je me souvenais plus, hein, genre vraiment ça datait du mois de mars où j'ai posté ma lettre. J'ai eu la réponse de justice au mois de juillet, genre vraiment il y a un délai, t'as le temps de mourir entre temps, mais c'est pas grave. La petite avocate, je ne sais pas qui était au téléphone, la petite secrétaire, j'en sais rien, elle m'a dit oui mais vous saviez vous auriez pu porter plainte à la gendarmerie. Dans ma tête, je crois que, non dans ma tête, je lui dis non mais gus. J'ai été déjà à la gendarmerie, je lui ai dit non mais j'ai déjà été à la gendarmerie, on m'a dit que c'était à vous que je devais porter plainte parce que c'était entre un professionnel et un particulier. Elle dit ah d'accord. Donc même si eux ne savent même pas qui doit faire quoi quand il se passe quelque chose comme ça, c'est compliqué. Bref, du coup j'ai eu la décision de justice au mois de juillet parce que j'en ai parlé sur Instagram, parce que forcément genre sur Instagram ce fut un temps là j'ai fait un peu plus d'updates. Mais je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas dit la décision de justice. Même si elle est éclatée au sol, elle est claquée de chez claquée, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour rien. Je vous fais le débrief. En gros, j'ai porté plainte pour escroquerie simple. Simple. Si je puis dire, c'est pas simple. Mais ok. Ensuite, le magistrat. Ah oui, parce que du coup, la meuf, en autre temps, elle m'a dit que ma lettre était chez le magistrat et du coup, on attendait sa réponse finale. En mode, si j'étais légitime à porter plainte. Rien que ça. Après examen de ma candidature. Vraiment, ça me déprime. Là, j'arrive à en parler avec. Second degré et à en rigoler, mais quand j'ai reçu la lettre, je faisais moins la maligne. Donc en gros, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. Donc, remettons les choses dans son contexte. Si demain, je vends une voiture avec des fausses factures, un état de la voiture plus que déplorable, si je puis dire, qui n'est pas en sécurité pour moi, enfin pour autrui du coup, parce que du coup si je la vends, que, ah oui, je suis dans une situation où je suis une entreprise, attention, que j'ai une garantie de 3 mois ou 5000 km que je l'appelle avant les 3 mois ou les 5000 km mais que personne ne répond au téléphone. Il n'y a aucun texte pénal pour punir le mec qui m'a escroqué. Mm-hmm. Donc c'est à dire que moi personne qui ouvre une entreprise pour faire ça, bah au final je m'en tire bien, je m'en tire avec la thune. La thune des gens là.
Et je m'en tire bien en faisant des fausses factures. Je pensais que les fausses factures étaient punies par la loi. Apparemment non, parce qu'il n'y a pas de texte pénal pour. Donc, si je ne suis pas d'accord avec le magistrat, mais dans tous les cas, je ne suis pas du tout d'accord avec la justice française pour le coup. Parce que, bon, s'il m'a écrit ça, c'est que forcément, c'est la justice en elle-même. Bref, je peux contester, pardon, là c'est, je suis énervée, du coup j'arrive pas à parler. Ça là, cette décision, en gros, en accour, en j'arrive plus, en adressant un courrier motivé, attention, hein, motivé, donc en gros je fais une petite lettre de motivation pour expliquer la motivation de pourquoi je porte plainte, non mais vous voyez vraiment où on va là ou pas. Et accompagné d'une copie de la décision du magistrat, donc ce que j'ai dans les mains, à la cour d'appel, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, Célia. Pas du tout. Sinon, je peux faire deux procès différents. Non mais, plus loin, encore plus loin. Un procès pénal dans lequel où je dois payer les avocats, frérot, 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 comment t'expliquer? Un avocat, ça ne coûte pas 100 balles par mois, sinon ça saurait. Et encore, j'aurais jamais payé 100 balles par mois. Parce que, en gros, avec cette procédure pénale, en fait, il y aurait un huissier avec l'avocat, il prendrait contact pour retrouver le mec et tout. Enfin, bref, toute une galère. Ou sinon, faire un procès civil, c'est-à-dire que l'avocat n'est pas à ma charge. Bon, ils disent qu'il n'est pas à ma charge. Si, en cas d'insuffisance de ressources, vous pouvez demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle en écrivant à l'adresse suivante. Voilà. Vous vous doutez bien que déjà je ne touche même pas le SMIC. Vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas me dire, mademoiselle, il faut que vous payiez votre avocat. Mais bref. Le procès civil, enfin moi c'est ce que j'ai compris, hein, parce que pour moi le procès pénal, ils disent que en gros, dans ces deux cas, il vous sera demandé de verser une somme fixée par le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel en garantie du paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée si votre contribution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire. Voilà. Vive la France, hein. Vive la France. Donc mon procès civil, en gros, je peux avoir un avocat. Pas à mes frais du coup, qui contacte lui-même l'huissier pour que j'aie au moins dommages et intérêts. Voilà. Donc ça fait 3 semaines que j'ai reçu la lettre, je ne sais pas quoi faire. Juste j'ai envie de dire que la justice française c'est de la merde. Voilà. Même si demain Macron vient taper à ma porte, je lui redirai en face dans les yeux parce que clairement c'est abusé. Voilà. Donc on se rend bien compte de la réalité, c'est-à-dire qu'une femme battue, les gendarmes ne se déplacent pas. Voilà, tout. Là, c'est, vous avez la preuve vivante que les gens qui escroquent d'autres personnes, les gens malhonnêtes, les fils de pute, non, parce que là, clairement, on va parler, bah, ils s'en sortent. Voilà. Et les gentils, ceux qui payent leurs impôts, ceux qui sont réglo avec la France, voilà. Et bien, ils prennent tout dans la gueule et personne ne fait rien pour eux. Vive la France, hein, et vive la justice française, voilà. Parce que je suis désolée, mais de me dire que c'est pas puni par un texte pénal, alors que j'ai eu des fausses factures en ma possession, que le compteur de la voiture a peut-être été trafiqué, mais les frérots, je n'ai pas l'argent nécessaire pour pouvoir contacter comment ça s'appelle? Un expert, et que en plus contacter un compteur trafiqué, ça ne se voit pas. Tu peux juste supposer. Et on peut supposer si on a des petites sonnettes d'alarme. Donc, clairement, c'est abusé. Vraiment, je sais pas quoi vous. Enfin, vraiment, je suis dans un état où. Ouais, génial quoi. Enfin. Génial. Donc, bref. Suite à ça, je ne sais pas quoi faire. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie, clairement, ces 6 derniers mois où j'ai été absente. Voilà, là ça y est, ça signe. Je signe. Voilà, point final. Mon retour.
sur YouTube. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très 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 fort. Merci d'avoir écouté cette vidéo parce que je pense qu'elle va être super longue. Je m'en excuse par avance. Le reste sera aussi long parce que là on va enchaîner les vidéos back to school. Du moins on va essayer. Peut-être je vais dépasser jusqu'à septembre pour le coup. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà. Moi je vais laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très 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 fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!